plateforme qui souhaite aider chacun à vivre ses rêves, c'est-à-dire à se reconnecter à sa joie profonde. Tous les rêves se construisent petit à petit, se retapent, se restaurent, un peu à l'image de cette merveilleuse pièce de collection. Et l'idée, c'est de trouver, restaurer un vieux bus Westphalia T2 pour partir autour du monde en quête de joie. Dis un truc, Isabelle. Attends, laisse-moi réfléchir. Un truc tout simple, efficace. Ça, c'est efficace. Par exemple, Joy for the Planet, c'est une plateforme qui a pour but d'aider chacun à vivre ses rêves. Quelque chose comme ça, mais il faut que je redise. Voilà, je pleure de joie. Je viens d'acheter mon bus. Ça fait si longtemps que je rêvais. Je rêvais d'un outil. D'un outil pour aller aimer le monde, aimer les gens. Donner ce que je peux du meilleur de moi-même. Et aujourd'hui, mon rêve devient réalité. Aussi aiguisé que la peau de la brave rose, on n'a pas vu de mémoire de pain chaque meilleure phrase dans tout pays. Pour décrire la vie dans le Val d'Allier, on ne pourrait dire nulle autre chose que cette phrase hurlée dans les taillis par tous les gars de la confrérie. Avant de lâcher, oh hé, avant de lâcher les gars, avant de lâcher, ici on ne lâche pas. Avant de lâcher, oh hé, avant de lâcher les gars, avant de lâcher, ici on ne lâche pas. Oh mon Dieu, Paulo. Alors c'est quoi le problème là? Je sais pas te dire. Incroyable, Yann a réussi ce que personne d'autre n'avait réussi jusque-là, à réparer le chauffe-eau sur lequel on se casse la tête depuis des semaines. Dont nous sommes fiers aujourd'hui, les penteuses abrutes ne simplifient pas nos affaires et rend le travail dur, surtout le promontoire. T'as le petit machin rouge là, c'est le pire. Regarde, toujours. Avant de lâcher, oh hé, avant de lâcher les gars, avant de lâcher, ici on ne lâche pas. Avant de lâcher, oh hé, avant de lâcher les gars, avant de lâcher, ici on ne lâche pas. Chez Bataillard, c'est de l'amour personnifié à travers ma chère amie Corinne, et bien sûr de l'amour mis en bouteille à travers ces vins d'exception qui, moi, je suis une petite buveuse, et bien même moi j'en raffole quoi. Bataillard, c'est peinard. Du coup, j'avais mis ma petite charcuterie au congélateur pour être sûre que ça soit juste frais ce matin. Mais en fait, il est congelé et du coup, pour le décongeler, ma foi, il n'y a pas d'autre solution que les bonnes vieilles recettes de grand-mère. On reconnaît tout de suite qu'on est dans un camping-car suisse romand. Il y a du bordel devant. Chez les autres, c'est tout net, tout rangé. Ici, on arrive, il y a des gamelles, il y a des citrons. Excellent. J'ai dit, tiens, on est en Suisse romande. Oh, mais quel magnifique déjeuner. Waouh, 5 étoiles. Grand luxe. Car on est parti pour la joie. C'est de la joie qu'il nous faut. 1.
nous inaugurons le nouveau petit tonneau offert par ma chère cousine Élodie. Le tonneau d'Élodie. Voilà. À la santé du Joy for the Planet et à notre santé, à la santé de toute l'humanité. Yes. Le but, c'est pas seulement d'apprendre à Isabelle, mais pour qu'elle va apprendre aux autres à les construire aussi. Dans la vie, il y a des courges, il y a d'autres formes de courges, il y a des bourges, des courges bourges. Non, je fais des vers sans en avoir l'air, comme Victor Hugo sur son petit pot. Et puis tu redescends, tu rentres. Puis tu redescends, tu ressors. Et tu pars, voilà. Encore. Vas-y, recule. On a reçu un paquet et moi je crois que je sais ce que c'est. C'est nos autocollants. Attention. Oh, ils sont magnifiques. Comme ça, Isabelle, ben, tout le monde saura que notre projet existe. Peut-être. Tu veux te prendre dans la casserole? Non, filmer dans la casserole. Ah oui, attends, j'arrive. Je vais mettre de l'eau. Je vais mettre de l'eau. Putain. Franchement. Ouais. Je voulais pas faire. C'est marrant, hein. Pourquoi t'as craqué pour ce bateau? Bah, c'est l'évasion, c'est le rêve, c'est... Ça fait justement penser au Tintin, tout simplement, à la licorne, Capitaine Haddock. Donc, et en plus, t'as fait une bonne action. Merci Cédric. Avec plaisir. Joy for the planet! Vive Joy!